Salut tout le monde, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, on est le 14 mars. Je connais la date par cœur parce que c'est mon gender reveal. Je suis tellement contente. C'est aujourd'hui que je vais savoir si je vais avoir une petite fille ou un petit gars. Mais je suis encore sûre que c'est une petite fille. Fait que j'ai hâte de savoir. Puis là, honnêtement, là, ça doit faire un mois que je magasine mon outfit. Là. Genre, je savais pas quoi mettre. Puis je suis allée chez H&M, puis j'ai trouvé cette robe-là que je vous avais montrée, je pense, dans mon dernier vlog. Puis là, je me suis maquillée, coiffée, mais là, il me fallait des beaux bijoux, ok? Puis là, honnêtement, là, ma relation avec les bijoux, là, c'est vraiment une relation de amour-haine depuis toujours parce que moi, dans la vie, là, je perds mes bijoux. Genre, partout où est-ce que je vais, je les perds en tout temps. À chaque fois que c'est ma fête ou à Noël, je dis tout le temps à mes proches, achetez pas de bijoux. Honnêtement, là, genre, vous allez être déçus, je vais le perdre en un mois. Honnêtement, je vous dirais, c'est depuis peut-être un an ou deux que là, je retrouve un peu cet amour-là parce que j'ai envie de, comme, porter de la qualité, tu sais. Fait que là, ça a tombé pile à point. Il y a une compagnie de bijoux qui m'a approchée, en fait, là, puis j'ai pas pu dire non parce que quand je suis allée voir sur leur site, là, je trouvais ça tellement beau puis ça correspondait vraiment à mes valeurs. Je voulais qu'on fasse un unboxing ensemble puis qu'on voit si les bijoux fit avec mon outfit, puis j'espère vraiment parce que sinon je vais vraiment être déçue. Fait que là, j'ai mon colis ici, fait qu'on va ouvrir ça ensemble. Fait que dans le fond, dans le colis, j'ai cette belle petite boîte-là. Les bijoux sont à l'intérieur et je sais pas ce qu'ils m'ont envoyé. Là. Ça va vraiment être une surprise qu'on va découvrir ensemble. On va ouvrir le premier. Gars, quand je l'ai ouvert, là, il y a comme des petites enveloppes de même à l'intérieur. Le premier bijou, ah, c'est des petites boucles d'oreilles comme ça que je trouvais vraiment belles parce que j'aurais comme fait une liste de ceux que j'aimais le plus. Fait que c'est ces boucles d'oreilles-là puis je trouve ça vraiment cool qu'ils soient comme pas pareil, tu sais, que ça soit genre un look qui est atypique, là, qu'on pourrait dire. Fait que j'ai trouvé vraiment belle. Puis je pense que d'ailleurs, ça va parfaitement fitter avec mon outfit. Fait que ça va être vraiment parfait. En passant, tu sais, les bijoux, normalement, qu'on achète bon marché, là, souvent, sont pas recyclables. Tandis qu'eux, ils utilisent des matières 100% recyclées. Fait que c'est vraiment intéressant pour ça. Puis ceux qui fournissent leurs bijoux, c'est les mêmes bijoutiers que la compagnie Tiffany puis Louis Vuitton. Fait que tu sais, c'est vraiment des bijoux de grande qualité. Fait que c'est de l'or sterling. En fait, puis de l'argent sterling recyclé à 100%. Alors voilà pour le premier bijou que je trouve vraiment magnifique, by the way. Après ça, le deuxième. Ah, oh, je suis contente! Ils m'ont envoyé un petit pendentif. Là. Pour vrai, là, ça, c'était celui que j'espérais le plus avoir. Genre, un pendentif en or, là, ça fait vraiment longtemps que j'en veux un. Puis il est tellement beau, il est super simple, là, regardez. Il est genre tellement, tellement, tellement beau. Là. Pour vrai, là, je trippe vraiment. Fait que ça, ça va être, mon Dieu, ça va être parfait. Je vais pouvoir mettre les deux avec mon outfit. Je pense que c'est vraiment beau. Ah, je suis contente. Puis tu sais, ça faisait longtemps que je me cherchais une chaîne à porter, genre, tous les jours. Fait que je suis vraiment très contente pour ça. Et le dernier bijou. Ah, ils m'ont envoyé. Oh, mon Dieu, elle a décroché. Rendu où? Ah, dagan. Je ne le trouve pas. Ah, il est ici. Ils m'ont envoyé une bague. Puis je la trouvais tellement belle, honnêtement. Là, regardez, je vais essayer de vous faire un close-up. Genre, c'est la plus belle bague que j'ai vue de toute ma vie. Parce que mon amie Claudia est arrivée, en tout cas, pour prendre des photos de nous aujourd'hui. Fait qu'elle est divertie en ce moment pendant que je fais mon vlog. Fait que la bague, je la trouvais vraiment belle. Crème, je vais tout pouvoir mettre aujourd'hui. Fait que je suis vraiment, vraiment, vraiment contente. En passant, je vais vous dire les prix des bijoux que je porte en ce moment. Alors là, il faut prendre en considération que c'est des bijoux en or et en argent. Fait que tu sais, c'est quand même de grande qualité. Par contre, il y a beaucoup de compagnies qui vont charger là, jusqu'à 10 fois le prix de production, là, en fait. Fait que ça devient là, des prix démesurés. Tandis qu'eux, là, ils éliminent tous ces frais-là. Fait que ils s'assurent qu'en fait, ça soit quand même assez abordable pour vous. Donc, pour ce qui est de ma belle bague ici, je vais vous donner le nom. C'est la MEC blanc, couleur blanc. Ils l'ont dans le noir aussi, là. Fait que tu sais, ça peut être vraiment beau. Au pays pour un gars aussi, là. Elle coûte 80$ canadien. Après ça, le pendentif, c'est le Margot. Donc, le pendentif Margot, il est 96$ canadien. Tu sais, moi, je trouve ça vraiment des bons prix pour de l'or, tu sais, de la qualité. Puis, tu sais, moi, j'étais tannée d'avoir des bijoux que, genre, je me lave les mains une fois ou whatever, puis aussitôt qu'il y a de l'eau un peu qui touche, ça devient, tu sais, souillé un peu, tandis que ça va être vraiment des bons bijoux de qualité. Ceux-là, ici, les boucles d'oreilles, ils s'appellent les Mismatch CK, et c'est 125$
pour la paire de boucles d'oreilles. C'est quand même un petit luxe, mais ça peut tellement être un beau cadeau là, pour votre blonde ou votre amie, votre mère, peu importe, ou pour vous-même, tu sais, pourquoi pas. Je veux vraiment remercier la compagnie. Et by the way, si vous voulez vous acheter des bijoux, je ne vous ai pas oublié, j'ai un code promo pour vous faire épargner 10%. Fait que c'est vraiment cool, c'est le Megan10. Je vais toutes mettre les informations dans la barre de description, le site web, le lien, le code promo. Fait que vous allez juste avoir à cliquer. Donc merci encore à la compagnie Anna Luisa, je suis super contente. Je vais être bien grillée pour mon gender reveal. Tu veux-tu? Ok. Ah oui, un bon coup sec. Ok. Ok. 5, 4, 3, 2, 1, go! Honnêtement, je voulais vraiment, vraiment, vraiment vlogger genre tout le setup puis la grosse affaire. On était tellement serré dans le temps, là, vous comprenez pas. Parce qu'on voulait prendre des photos avant. Puis là, où est-ce qu'on était supposé aller? Finalement, c'était fermé à cause du coronavirus. Fait que là, ça a donné qu'il a fallu, en tout cas, se revirer sur une scène puis trouver un autre endroit. Finalement, on a trouvé un endroit, mais on avait 10 minutes top chrono pour prendre toutes les photos, là. Genre, on s'est tellement empressé. Puis après ça, on est allé au restaurant, les gens étaient déjà arrivés. Fait que, tu sais, j'ai pas trop vlogué. Puis ça s'est fait, là, pour vrai, là, on n'a pas vu les minutes passer, là. Puis je voulais vraiment popper le ballon avant qu'on mange, tu sais, je voulais qu'on puisse en parler, puis que comme les photos sont prises, les vidéos sont prises, on a popé le ballon, puis tu sais, là on décompresse, puis on apprécie vraiment le moment avec notre famille puis nos amis. Fait que c'est ça. Finalement, il y a gros du monde qui sont pas venus à cause du coronavirus, fait que c'était plate, mais en même temps, pour vrai, c'était pas du tout ma priorité, là, que mes proches soient tous là pour mon gender reveal. Tu sais, c'était plus, comme je disais avec Oli, j'étais comme, clairement que c'était un moment pour nous deux, là, tu sais, c'est juste qu'on veut le vivre avec nos proches, ceux qui veulent être là. C'était nous, là, qui avions hâte de savoir c'est quoi le sexe du bébé, bien au-delà de tous nos proches, tu sais. Tout le monde, je veux dire, il avait hâte, mais genre... Bref, vous comprenez. Je sais pas si vous avez été aussi surpris que moi, là, mais pour vrai, là, je sais que la majorité d'entre vous me disait que vous étiez sûr que ça allait être une fille. Puis moi, depuis le début, j'étais sûre que ça allait être une fille. Puis là, c'est un gars! Oh my god! Pour vrai, là, je suis tellement, tellement, tellement heureuse. Puis c'est vraiment weird, là. Genre, je sais pas si c'est comme un addon, là, mais pour vrai... Ces temps-ci, j'arrêtais pas de rêver à des gender reveals, pis c'était tout le temps un gars. Genre, même si j'étais sûre que c'était une fille, je rêvais tout le temps, tout le temps, tout le temps qu'on allait popper un ballon avec des confettis bleus. C'est vraiment bizarre. Tu sais, j'en parlais parce que moi, je veux vraiment avoir les deux sexes, tu sais. Je voulais vraiment avoir un gars, pis je voulais vraiment avoir une fille. Fait que, tu sais, on a pensé au scénario idéal de comme le grand frère, la petite soeur, pis tu sais, on était super, super heureux, pis pour vrai, je suis juste tellement contente, mais je réalise qu'il y a plein de vêtements que j'ai achetés qui font vraiment fait fille, mais pour vrai, genre, c'était juste mon instinct, pis finalement, gars, mon instinct avait tort, ça a l'air. Pis c'est drôle parce que, tu sais, tous les tests qu'on a faits, là, de prédiction de sexe, ça tendait tout vers une fille, pis finalement, c'est un petit gars! Je suis trop contente! Petit scoop, je vais vous dire le prénom officiel de notre enfant. J'espère que vous avez hâte de l'entendre. Parce que je suis tellement en amour là, avec le nom qu'on a choisi. Là, j'essaie de comme vous accrocher parce que j'arrive pas de shaker la caméra. Oh, ça va vraiment moins gosser. Fait que je vais vous dire le nom officiel. Bébé! Ah, je pense qu'il est aux toilettes. T'es aux toilettes, hein? Oui. Ok. Le nom officiel de notre petit garçon, ça va être Laurier.
J'aime tellement, tellement ce nom-là, là, j'en suis en amour par-dessus la tête. Je trouve ça tellement beau, laurier. Puis tu sais, moi, je vois vraiment mon enfant, vous le savez, je le dis tout le temps dans mes vidéos, je vois vraiment mon enfant comme quelqu'un qui représente vraiment la douceur. Puis je le vois, tu sais, tout mignon, genre, tellement cute. Fait que ça va être le petit laurier. C'est tellement irréel, là, tout ce qu'on vit, là, genre, ça me fait capoter, là. Honnêtement, de me dire que, genre, je vais avoir un petit garçon, je suis vraiment heureuse. Fait que c'est ça. J'étais encore émotive. Bref, je suis vraiment contente que vous ayez vu le gender reveal, en fait. Fait que là, pour ce qui est des plans de la journée, là, on est déjà milieu d'après-midi, fait que je vais rentrer les photos dans mon ordi parce que je veux voir qu'est-ce que ça donne. Je vais publier ça sur mes réseaux sociaux, fait que vous allez déjà avoir vu, en fait, qu'est-ce que c'est le sexe, parce que je pense que je vais l'annoncer sur Instagram avant. C'est pas mal ça. Après ça, on va peut-être aller faire des petites commissions. C'est ça que ma meilleure amie, elle me disait, elle disait, là, tu vas vouloir aller magasiner, c'est sûr, là, tu sais le sexe, là, tu veux acheter plein de linge. Fait que, ouais, j'avais hâte de savoir le sexe pour pouvoir vraiment, comme, un peu plus savoir quoi acheter. Puis aussi, tu sais, sa chambre. Tu sais, la chambre est quand même assez neutre, mais est un petit peu plus féminine, peut-être. Fait que je veux comme rajouter des éléments qui vont faire plus garçon, là. Fait que c'est ça. Fait que c'est pas mal ça pour les plans. Puis nous, on se revoit tantôt. C'est vrai, je voulais vous montrer ça. Ma meilleure amie, qui est enceinte en même temps que moi, elle nous a donné un petit cadeau. Fait que, oh, regardez, ça, c'est la photo de son sexe. Ici. Puis, genre, il est vraiment gros, by the way, là. Genre, ça me fait peur. Tout le monde était comme, mon Dieu, il est vraiment membré. Fait que, ouais, c'est spécial. Fait que c'est ça. Elle nous a donné un petit cache-couche des Rolling Stones pour que ça fitte avec le métier de son papa. Fait que je l'ai vraiment, vraiment, vraiment trouvé cute. Puis la maman à Olivier, qui est la mamie de notre bébé, elle nous a acheté un beau toutou musical comme ça, que je trouvais qui fitait vraiment avec le look de la chambre. Fait que je suis vraiment, vraiment, vraiment heureuse, pour vrai. Là, on est tellement contents, là, c'est tellement du bonheur, puis ça n'a pas de bon sens. Fait que voilà. Rebonjour! Alors là, je suis allée me laver, là, pour vrai, j'en pouvais plus, genre, de mon maquillage. Vous le savez, moi, je suis tout le temps mieux au naturel. Puis je me suis mis en pyjama. Il est 4h, mais c'est genre le plus gros soleil, là, ici à Drummond, là. C'est genre un soleil d'été, là, pour vrai. Ça fait vraiment du bien, mais on dirait là que la journée m'a juste trop grugé là. Je suis comme à terre en ce moment, d'énergie à vide complètement. Fait que c'est ça, j'ai mis un petit pyjama. J'ai pris ces pantalons-là chez Walmart, ils sont 10$, c'est genre la chose la plus confortable, genre ma nouvelle vie. Puis je les ai pris tellement trop grands, là, genre, parce que je regardais le large, puis je me disais, j'ai peur que, tu sais, ça me fasse plus dans 2 mois. Fait que j'ai pris un X large, mais j'étais pas stressée vu que il y a comme, tu sais, quelque chose ici qui sert. Mais là, c'est sûr que là, je les perds vraiment beaucoup. Mais bon, peut-être que je vais être contente de les avoir en fin de grossesse. Ah oui, j'ai décidé de gâter ma gang privée. Fait que s'il y en a d'entre vous qui sont dans la gang à Mégane, mon groupe privé Facebook, j'ai décidé de vous dévoiler le sexe avant tout le monde. Fait que c'est une belle surprise pour vous, là. Tu sais, je voulais... tu sais, il faut bien que ça ait un avantage dans le groupe privé quand même. Fait que bien heureuse de vous avoir partagé ça. Vous êtes vraiment, vraiment content. Parce que là, je dis ça, puis tout le monde le sait, là. Mais dans le fond, là, je l'ai pas encore publié officiellement sur Instagram. Fait que, en tout cas, vous êtes comme juste pour vous repérer dans le temps, là. Oli puis moi, on va se mettre un petit épisode de Shameless, qui est une série qu'on écoute sur Netflix. Si vous comprenez bien l'anglais, puis vous aimez les comédies un peu, là, pour vrai, je vous le conseille vraiment. C'est des acteurs, là, vraiment incroyables. Puis c'est genre une famille, tu sais, un peu style les Bougons, là, tu sais, une famille un peu défavorisée. Pour vrai, ça l'échappe complètement dans cette famille-là, mais c'est tellement drôle, puis c'est bon. Puis en même temps, il y a des belles histoires, des belles morales. Fait que je vous conseille vraiment d'écouter ça. Il y a 9 saisons, fait qu'il faut quand même... être prêt, là, tu sais, il y en a beaucoup, mais moi j'aime ça quand il y a beaucoup de saisons, parce que quand je me prends une série, je m'attache au personnage. Puis quand il y a juste 4 saisons, là, genre, je trouve ça triste. Fait que, bien contente, mais c'est sûr que ça bat pas Friends. Friends, c'est vraiment ma meilleure série comédie au monde. Bref, fait que là, je vais me prendre une petite pomme, puis on s'en va écouter notre série. Fait que, à plus tard. Bon, fait que, on a écouté Shameless.
Parce que honnêtement, j'ai juste répondu à des commentaires tout le long, rien de moins. Puis là, on a décidé de souper le gros projet. Je vais me faire moi un petit spaghetti avec des pâtes, un peu des courgettes. Je vais vous montrer. J'ai acheté des pâtes au panier santé. Ok, des pâtes de riz aux épinards. Là, le soleil, bonsoir. Des pâtes de riz aux épinards. Je vais me faire ça avec des courgettes, en fait, là, que je vais râper ou que je vais passer à mandoline. Puis j'avais fait une grosse batch de sauce à spaghetti la semaine passée, là, fait que je vais passer ça. Puis hier, j'ai fait des vols au vent au tofu, puis Olivier, lui, il réclame les vols au vent. Il dit, ce soir, je vais manger les vols au vent. Fait que lui, il va manger ça. Fait que moi, j'embarque là-dessus. Fait que voilà de quoi mon souper a l'air. Fait que c'est ça, il y a les pâtes en fait d'épinards, les courgettes, ma sauce spaghetti maison. Puis j'ai mis un petit peu de levure alimentaire pour comme donner un genre de petit goût style parmesan vegan. Fait que c'est ça, avec mon verre d'eau habituel de moitié eau, moitié jus d'orange. Puis Ali est en train de décortiquer ses petits... vol au vent, pis by the way, il a genre mis du fromage dans la sauce, pis ça a l'air tout sauf alléchant. C'est sûr que c'est bon. Bon ben, bon appétit mon amour! Bon, fait qu'on vient de finir de manger, c'était très excellent pour ma part. Pis toi bébé, c'était-tu bon? Oui, c'était super délicieux. Pis on est en train de capoter du fait qu'il fasse encore full clair dehors pis qu'il est 18h52. C'est quoi la vie? On est vraiment heureux. Là, Ali, là, il veut sortir. C'est ce que tantôt, j'ai lancé l'idée de peut-être aller au cinéma, voir le film La Chasse. Puis souvent, mettons, moi, je lance ça dans les heures, puis là, 15 minutes après, ça me tente plus. Puis là, je me suis mis en pyjama, puis on dirait que là, le projet de me réhabiller, nanana. Puis là, surtout que, tu sais, on vient de manger, fait que clairement, j'ai pas faim pour manger du popcorn ou whatever, ce que tu veux là-bas. Pis moi, là, j'ai comme une règle. Si tu vas, si je vais au cinéma, je veux manger du popcorn. Fait que là, c'est ça. Fait que là, moi, j'ai offert de lui faire des massages et il a refusé. Est-ce que vous vous rendez compte de l'ampleur de la situation? Mais pour vrai, bébé, on pourrait se mettre un petit film dans le salon collé. Oui? Il me fait des clins d'œil. Il fait son drôle. Cool, cool, j'aime ça. Ça, c'est l'histoire de ma vie, ne jamais avoir de réponse. Qui tu chuchotes comme je t'étais gênée? Mais c'est pas mal ça, en gros. Nous, je pense que... Ben, en fait, je pense que je vais terminer le vlog maintenant. Ça va être vraiment un vlog sur le gender reveal. Fait que j'espère que vous avez aimé ça autant que nous. Puis là, tu sais, on soupait, puis j'ai regardé Oli, j'étais comme, oh my god, tu sais, on peut l'appeler Laurier maintenant, genre... Petit Laurier! Oh. C'est trop cool, ça sera plus bébé bouge, tu sais. Fait que c'est ça en gros. Demain, on va sûrement aller faire des commissions, acheter des vêtements de garçon! Donc, sur ce, je vous dis merci d'avoir écouté le vlog. Je vous fais un petit rappel, en fait, pour les bijoux Ana Luisa. Là, je vais mettre le lien dans la description avec mon code promo MEGAN10 pour avoir 10%. Fait que vous irez jeter un coup d'œil à ça. Puis nous, ben, on se revoit bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde! Ouais!